Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, Antoine et Saba. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Parce qu'aujourd'hui, les amis, on n'est pas chez nous. Voilà. On est dans une chambre d'hôtel sur Paris. À côté, juste à côté des champs. Voilà, même sur des champs. Alors, les Champs-Élysées, bien sûr. Ouais. Donc, aujourd'hui, on est dans un hôtel à Paris. Pourquoi? Parce que demain, samedi 17 octobre à 9h, déjà mon premier jour de vacances, je me réveille à 7h. Mais pourquoi? Voilà. C'est pour une bonne raison. Voilà. C'est parce que demain, on va faire quoi? Oui, Diana, on va manger le petit déjeuner, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quoi? Les deux là, elles pensent qu'à la bouffe, hein. Franchement, voilà. Mais moi, j'ai rien dit. Oui, bah tu penses à la bouffe quand même. Alors, demain, on va à la Fnac des Champs-Élysées. Pour dédicacer des BD. Alors on vous explique. En gros, on va arriver à la Fnac des Champs-Élysées à 9h, donc avant l'ouverture. Voilà, c'est ça. Donc samedi 17 octobre, si c'est bien ça, on vérifie. Oui, c'est ça. Oui, c'est très ça. C'est très bien ça. En fait, ils vont nous laisser entrer, même si ça va être fermé le matin. Ouais. Et enfin, en tout cas, à une heure précise. Et on va dédicacer des BD, donc toutes les trois. Même Diana va participer, mais on n'a pas la surprise. Et en fait, ensuite, quand ce sera ouvert, vous pourrez revenir et il y aura quelques BD qui seront dédicacés. Et aussi les amis, on va aller à la Fnac de Beaugrenelle qui est à Paris aussi. Comme ça les amis, ceux qui habitent plus près de la Fnac de Beaugrenelle, vous pouvez aller facilement à la Fnac de Beaugrenelle, aller chercher une petite BD dédicacée de notre part. Hey. Et ceux qui habitent plus près des Champs-Élysées, bah, vous pouvez directement aller à la Fnac des... Champs-Élysées. C'est ça, ouais Diana. Oh my god, mon bébé chat. Pour ceux qui se demandent pourquoi on est dans un hôtel alors qu'on habite juste à côté de Paris, alors c'est très simple, c'est parce qu'on veut éviter d'être en retard. Parce que la Fnac va faire ça exceptionnellement pour nous. Ça va être fermé, il n'y aura personne qui pourra rentrer sauf nous. Donc, et le personnel, voilà, le personnel qui travaille là-bas. Et du coup, si on est en retard, bah, ça va tout décaler et on ne pourra pas le faire. Et ça se fait pas. Donc voilà. On est juste à côté de la Fnac, on est à 500 mètres, donc à 5 minutes à pied, même pas. Et du coup, voilà, ça va être grave, grave cool. Et c'est pour ça qu'on est à l'hôtel, c'est pour éviter les bouchons, tout ça, parce que les bouchons Paname, on connaît. Hein. Donc du coup, on se dit à demain, enfin vous êtes dans même pas une seconde, mais du coup nous, dans 10 heures. Ouais. Non, on va aller manger là, on va aller dormir, on va aller prendre notre douche, on va se reposer. Et voilà, gros bisous, à la Fnac. Et à demain. On va se reposer. Ça y est les amis, c'est le lendemain de notre petite nuit. Et là tu peux enlever le masque, hein. On va manger. J'ai une tête de fatigue. Donc là ça y est, on va manger, on attend le petit déj. Et voilà, on a trop hâte d'aller à la Fnac là, on va pas être en retard, il est quelle heure? 8h35. Donc il est 8h35 les amis, on doit partir à 8h55 maximum parce qu'on est à... 7 minutes à peu près de la Fnac et on doit y être à 9h, donc si on y est à 9h02 c'est pas grave. Mais voilà quoi, il faut qu'on parte à maximum à 55 quoi. Ouais. C'est faisable pour vous? Ça va être un peu compliqué. Ouais. Alors moi j'ai pris un chocolat chaud, ça détend. Ça détend. Moi j'ai pris un jus d'orange. Ah le jus d'orange ça fait dormir. Non, ça bouge tout la jambe. Sinon, on a passé une bonne nuit, ça va. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vous ai dit, c'est bien pour la santé. Et c'est bon, bien pour le matin. Ah oui, quand je dors, il est dégueulasse. Donc voilà, on se retrouve sur l'avenue des Champs-Élysées à 9h. Franchement, c'est la première fois que j'y suis autant tôt. On est l'après, mais franchement, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est horrible, là, je suis trop fatiguée. Là, elle est crevée, bah. Là, I am crevée. Donc là, ça y est, regardez la surprise. La Fnac nous ont fait une surprise de malade, donc merci à eux. Franchement, ça me fait trop plaisir. Je suis choquée. Ils nous ont mis en avant. Incroyable. On est juste à l'entrée. Alors l'entrée elle est juste là, donc dès qu'on arrive on peut voir nos BD. C'est trop beau. Merci beaucoup la Fnac Champs-Élysées. On a nos grosses têtes là tout en haut. Moi au milieu. Cool. Et moi au milieu. Ouais. T'es juste. Waouh.
Donc là, je fais une petite pause pour vous dire que là, nous sommes en train de signer des BD pour la FNAC des Champs-Élysées, mais aussi pour la FNAC de Beaugrenelle. Donc vous pouvez y aller dès aujourd'hui, la FNAC des Champs-Élysées et la FNAC de Beaugrenelle ont nos BD dédicacés. On travaille à la FNAC. Alors, toutes ces BD sont dédicacées. On peut le voir en haut là. Ouais, voilà, retrouvez la BD dédicacée et vous ouvrez à la deuxième page. Waouh! Et vous aurez exactement la même présentation à peu près à Beaugrenelle. Salut les amis, on vient de sortir de la FNAC des Champs-Élysées. Alors franchement c'était trop cool, ils étaient tous trop gentils avec nous. Et voilà, merci beaucoup à la FNAC des Champs-Élysées, merci beaucoup. On a passé un super beau moment à dédicacer à toutes les BD. Donc voilà, comme vous l'avez vu, ils nous ont grave mis en avant. Donc voilà, nous on est... Si vous passez par les Champs-Élysées, n'hésitez pas à aller passer à la FNAC. S'il en reste. Et aussi vous pouvez aller retrouver les BD dédicacés à la FNAC de Beaugrenelle aussi. Oui. Donc voilà. Eh, le masque. Et moi aussi j'ai une surprise pour vous. Vous allez voir sur les BD. Ouais, si vous voulez voir la surprise de Diana, allez voir nos BD dédicacés. Bah ouais, faut les acheter pour avoir la surprise. Là on va aller faire un peu de shopping à H&M, à Zara, tout ça. Et voilà, on vous laisse là et on fait des gros gros bisous. Merci beaucoup à tous. Merci, on vous aime fort fort fort. À travers le masque, bien sûr.